Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, justice, enfance numéro 132 sur RLP pour aujourd'hui la troisième partie d'une série de quatre émissions consacrée au psychanalyste anglais du XXe siècle, Donald Winnicott. Donald Winnicott nous est expliqué aujourd'hui par Joël Clergé, psychanalyste et enseignant à Lyon, praticien en aptonomie pré-périnatale, membre du Collège de la Revue Spirale et auteur d'ouvrages chez RS ainsi qu'aux Presses universitaires de France. Avec par exemple « Les bébés et leur papa »,« Naissance et séparation »,« Comment un petit garçon devient-il un papa » et surtout, pour aujourd'hui, « Donald Winnicott aujourd'hui ». Nous reprendrons aujourd'hui sur la fin de l'espace potentiel et l'air intermédiaire. Nous enchaînerons sur la sollicitude et la solitude. Puis nous verrons comment différencier environnement, milieu et entourage dans le monde contemporain et la prise en compte de la dimension écologique. À noter également en fin d'émission le retour de la chanson de la semaine avec « Donner la vie » de l'artiste Gizmo. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. C'est-à-dire, vous voyez, que le potentiel se tisse sur cette prise d'appui et sur cette ouverture que donne la confiance et la fiabilité dans l'autre. Alors ça, ça vaut évidemment beaucoup dans la psychanalyse, hein, s'il peut dire que la possibilité d'aller mieux en se livrant à une cure psychanalytique, c'est fondé sur ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire sur cette mise en jeu de la confiance et de la fiabilité de l'autre qui est là pour accueillir la personne dans ses pires moments de détresse, dans tout ce qui lui arrive au cours de la cure. Et notre rôle à nous, c'est d'être dans la patience d'être là, enfin je veux dire, dans cette belle patience d'être là, d'être humainement présent à la souffrance de l'autre, qui souffre non seulement de ce qu'il a vécu dans sa vie, mais qui souffre de le revivre durant la cure. Il faut jamais oublier que les traumas sont douloureux à un double titre, comme tel lorsqu'ils ont été vécus, puis comme tel à nouveau lorsqu'ils reviennent dans le défilé du transfert, comme quelque chose qui va affecter l'un et l'autre, hein, le patient et le psychanalyste. Hein. Si Winnicott parle d'espace potentiel, ça veut dire qu'il se peut. Hein. C'est un adjectif et un substantif d'ailleurs. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de tout fait. Voilà, c'est pas quelque chose de tout fait de façon définitive. Le potentiel, c'est ce qu'on dit qu'on a. D'ailleurs, on parle de gens maintenant haut potentiel, hein, intellectuel, je crois. Oui, mais en même temps, bon, le haut potentiel, c'est une chose, la créativité, c'en est une autre. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire, parce qu'on peut être à haut potentiel, puis rien pouvoir faire de ses potentialités. La grosse question, c'est que, justement, la possibilité d'être créatif, c'est de faire quelque chose de ce potentiel dans le devenir d'un acte. C'est pour ça que dans le transitionnel, Winnicott attache tellement d'importance au phénomène dont je parlais sur cette ère intermédiaire, entre moi et non moi, entre enfant et mère. Alors pourquoi est-ce que cette transition de l'objet à l'espace transitionnel est si importante? C'est parce que ce que Winnicott développe, c'est ce qu'il a appelé la continuité de l'existence. C'est-à-dire que les traumas sont une rupture dans la continuité d'existence. Et justement, il reprend cette dynamique en disant, mais ce qui est important, et notamment avec les adolescents, c'est que quand on commence à se sentir réel, eh bien, qu'on puisse mûrir dans le sentiment de soi et dans le sentiment d'être soi, et pas un autre, justement. Hein. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Grand thème aussi que l'on retrouve beaucoup dans son œuvre, comment parle-t-il de la sollicitude et de la solitude? Voilà. Alors, je réunis les deux mots parce qu'ils ont quelque chose de commun. On sent bien qu'il y a solitude dans sollicitude. Hein, bon, mais c'est un petit jeu de mots, c'est pas. Alors, il faut voir que c'est sollicitude. Ça traduit un mot anglais qui est concern. En français, on a concerné, hein, être concerné par quelqu'un, par le devenir de quelqu'un, c'est pas rien, ça engage notre responsabilité. Mm-hmm. Concern, ça signifie l'inquiétude, voire le souci, que les Anglais appellent le tender care, le souci, le tendre souci de l'autre, quoi. Hein. Et Winnicott part d'une capacité
de sollicitude. Alors, ce qu'il y a de très intéressant chez Winnicott, c'est que la sollicitude, il va parler de la sollicitude maternelle, pour lui, c'est une caractéristique très importante de la vie sociale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sollicitude, c'est la face positive d'un phénomène qui négativement se traduirait par de la culpabilité. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là, cette histoire de culpabilité? Qui, entre nous, me paraît très juste, au point que Freud, dans le Moi et ça, en 1921, avait parlé de quelque chose de très particulier qui résiste un peu à toutes les analyses et qu'il avait nommé le sentiment, un sentiment inconscient de culpabilité. C'est-à-dire que on serait animé à l'endroit de plein d'éléments de notre vie psychique par un sentiment inconscient de culpabilité assez indéracinable, semble-t-il, et pouvant aller jusqu'à la culpabilité même d'être né. On retrouve ça dans Sophocle, mais n'être pas né, dit Œdipe, hein? Mais funaille. Mais enfin, je le prononce mal, parce que c'est mi-funi, je crois qu'on prononce en grec moderne. C'est-à-dire que, alors, cette culpabilité, alors moi je trouve ça très intéressant, parce que c'est, vous allez sentir que c'est une dimension politique, finalement, enfin, psychique et politique. C'est, au fond, cette culpabilité, ça serait comme un retrait de la relation à l'autre quand on se retire de la responsabilité d'être concerné ou impliqué dans une relation. Et Winnicott dit, la culpabilité, c'est de se retirer de la sollicitude envers l'autre. Si vous voulez, c'est si on se désintéresse du devenir des autres, de nos autres frères en humanité, ben, on pourrait se sentir affecté d'une culpabilité à ne pas être à la hauteur de cette responsabilité, non seulement de soi pour soi-même, mais de soi pour les autres. Chose qui a été assez développée par le philosophe Emmanuel Levinas. Et que, à ce moment-là, vous voyez, on serait comme en retrait de notre devoir d'humanité, si j'ose dire, hein, pour prendre quelque chose d'un peu plus politique, et qu'on pourrait se trouver affecté d'une culpabilité, pas seulement au sens moral du terme, si vous voulez, mais au sens judiciaire. Hein. Par exemple, on peut être coupable de non-assistance à personne en danger, vous voyez ce que je veux dire, du point de vue judiciaire. Hein. Et je trouve ça très intéressant, c'est que la sollicitude, c'est ce qui nous permet d'être concernés par l'autre, impliqués dans son devenir. Il ne s'agit pas de prendre sa place ni d'aller l'enquiquiner. Hein. Ça, c'est le premier point, c'est la fonction, on pourrait dire, sociale de la sollicitude. Et puis, il y a une deuxième fonction pour Winnicott, c'est que la capacité de sollicitude, pour lui, c'est une affaire de santé. Winnicott avait beaucoup le souci de la santé. D'ailleurs, il avait plusieurs fois essayé de dire au ministre de la Santé de son pays un certain nombre de choses en tant que clinicien, qu'il le percevait, qui pourrait être faite d'une manière ou d'une autre. Bon, mais comme chacun sait, l'oreille des politiques n'est pas particulièrement tournée vers la clinique. Mais bon, c'est comme ça. Donc, alors il dit, la joie... Déjà à l'époque. Oh là là, mon bon monsieur. On pourrait se demander si ça va cesser un jour. Bon. Alors, oui, parce que c'est un peu terrible, parce que la science, une certaine forme de science, disons, paraît toujours plus pertinente que l'expérience. Mais les Anglais ont cette force aussi, je n'ai pas dit, mais il y a un verbe, le verbe qu'utilise beaucoup Winnicott, c'est le verbe to experience, experiencing. C'est faire l'expérience de. L'expérience, au sens clinique du terme, au sens winnicottien du terme, ce n'est pas une expérimentation, c'est faire l'expérience, voire l'épreuve de ce dans quoi la vie nous met. Bon, alors je reviens à la sollicitude maternelle. Et elle dit, la joie qu'une maman a donne à son enfant d'exister dans le regard qu'elle porte sur lui, hein, et qui le porte dans la vie, ben c'est ça, la sollicitude, c'est qu'elle a comme un papa, hein, qu'il a du plaisir, leur fois, nous avons une joie à percevoir que notre enfant existe dans notre regard. Ben, je crois que ça, c'est très vrai. Quand on a des enfants, on sent bien qu'ils viennent solliciter ce regard, ils viennent solliciter un câlin, et puis quand on leur dit, ben oui, oui, tu es mon enfant, tu grandis, je suis là. Hein, et ben on est dans cette sollicitude. Voilà pour la sollicitude. Mais on l'apprend d'ailleurs dans le travail social et autres, l'importance du regard, l'enfant grandit dans le regard de celui justement qui le regarde, oui. Absolument, absolument. Winnicott a écrit tout un article sur le rôle de miroir des yeux maternels.
On n'a pas le temps d'entrer dans cela, mais c'est un très beau texte. Non, mais je comprends le thème principal, je pense que les gens l'auront. Ce que vous avez dit aussi fait penser à l'altruisme quelque part. On trouve absolument, aussi dans la... Absolument, la solidarité aussi humaine, oui. Hein, interhumaine, tout à fait, hein, tout à fait. Voilà. D'accord. Alors, la solitude. Alors, c'est là aussi, c'est un petit peu paradoxal, mais nos auditeurs vont saisir. C'est que prendre soin de soi, ça revient à faire confiance à une solitude essentielle. C'est-à-dire, vous voyez, parce que pour bien percevoir une chose, je ne crois pas qu'on puisse prendre soin d'autrui sans prendre soin de soi, hein, au sens où on l'évoquait tout à l'heure. Et que le rythme de cet aller-retour entre soi et l'autre, c'est un rythme qui est fondé sur la temporalité de la relation. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on passe pas sa vie à détruire les autres, même si nos enquiquines. Moi, quand je bêche mon jardin, je coupe la tête à pas mal de gens, mais ça ne leur fait aucun mal. Donc voilà, je peux y aller. Une vie intérieure très intense, mais elle est seulement intérieure, tout à fait. Ouais. Voilà, et à côté de moi, mon petit, entre guillemets, rouge-gorge, qui est un maître qui vient me saluer, et on discute tous les deux. Voilà, bon. Alors, c'est la vie, quoi. Donc, pourquoi pas un peu de poésie. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, donc, chaque individu, dit Winnicott, est un isolat, un état de non-communication. Bon. Mais on sent bien que le risque de l'isolat, c'est l'isolement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec Winnicott? C'est que quelqu'un qui vient en analyse, hein, il vient nous rencontrer pour reconstituer une solitude essentielle. C'est-à-dire le fait que il vit sa vie de solitude, vivable, mais avec un autre. Vous voyez, ce qui est très touchant dans la psychanalyse, c'est que vous avez des gens qui vous disent, ils sont en analyse avec vous depuis 6-7 ans, et ils vous disent « jamais je n'ai eu une relation avec quelqu'un ». Bon, ça n'a jamais tenu, ça n'a jamais marché, c'est pas ce qui se passe. Et puis ça fait 7 ans qu'ils sont en relation avec vous, vous voyez. Alors on ne dit rien, hein, on ne dit rien, mais on se dit « ah ben oui, d'accord ». Mais cette relation-là, elle va peut-être leur faire donner à vivre qu'une relation est possible parce que l'autre est là, dans la patience de l'écoute, dans la longueur du temps qu'il faut pour que quelqu'un vienne à sa propre naissance. Hein. Oui, et puis définition du mot relation aussi, qui parfois peut changer suivant les gens. Absolument, absolument. Mais on voit bien que relation, c'est intéressant parce que relation, c'est le participe passé d'un verbe latin qui veut dire ferro, qui veut dire porter. C'est ferro tuli latum. Vous voyez, la déclinaison du verbe porter. Et une relation, c'est ce qui nous porte dans l'être avec un autre. Alors, Winnicott, ce qu'il a avancé, c'est au fond la capacité de se trouver seul, de se vivre seul en présence de quelqu'un. Et je crois que c'est très juste. Nous ne pouvons découvrir la solitude essentielle de la vie que si nous avons rencontré quelqu'un. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a de séparation possible que s'il y a eu une relation préalable. Et se vivre seul dans la compagnie des autres, se sentir seul avec sa solitude, ça n'est possible que parce que, au fond, il y a d'autres qui, comme vous entendez bien, qui ne sont pas là, justement, mais d'autres qui ont été assez là pour que nous puissions vivre seuls sans avoir besoin constamment de la présence physique, hein, de l'autre. Mm-hmm. Et Winnicott avait cette belle phrase aussi, alors je vais la dire en anglais. Il disait « being isolated without being insulated ». Ça veut dire « il s'agit d'être isolé sans être insularisé ». Vous voyez, c'est-à-dire isolé, mais pas être tout seul sur une île déserte. Vous voyez, hein? Donc, moi, je trouve ça très juste que nous conquérons notre solitude dans la compagnie d'autres et qui nous permettent d'avoir des moments de solitude. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que trouver sa forme de solitude, c'est une forme aussi de la créativité. Hein? C'est-à-dire que la créativité nous vient aussi de ce que d'autres ont fait confiance en nos capacités, en nos possibilités, en nos potentialités, comme on l'évoquait tout à l'heure. Hein? Et Winnicott a eu cette phrase, moi je trouve absolument merveilleuse. Il dit à propos des enfants, mais je crois que c'est vrai de tout le monde, « Se cacher est un plaisir ». Mais ne pas être trouvé est une catastrophe. Hein? Et je crois que ça, c'est très... Moi, je suis très touché par une telle phrase, parce que je crois qu'effectivement,
Se cacher, c'est sûr, c'est génial d'échapper au regard de l'autre. Mais si on n'est pas, on voit bien les enfants, hein, s'ils sont cachés et qu'à un moment donné, personne ne les trouve, ils se démasquent quand même. Bah oui, parce que ça ne va pas du tout, là, faut, bien sûr. Il faut pas pousser, quoi. À un moment donné, il faut arrêter. ce truc, ça fait peur, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Bon. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Et donc, on différencie environnement, milieu et entourage. Quelle en est l'importance dans le monde contemporain et la prise en compte de la dimension écologique ? Alors, oui, c'est pour moi une question assez déterminante. Alors, je ne vais pas pouvoir le développer de façon très longue. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, comme je l'évoquais tout à l'heure, le mot environnement en anglais est assez large. En français, il est quand même ambigu. Parce que c'est, alors, surtout dans le monde dans lequel on vit, dans lequel on réfléchit à l'écologie, c'est un terme qui, le terme d'environnement, c'est un terme qui est trop captif de l'extériorité qui le constitue. C'est-à-dire, vous voyez, on aurait un être et son environnement. Mais chez Winnicott, c'est pas séparé. C'est que l'être est constitué de son environnement. Mais à ce moment-là, moi, je préfère, parce que si on dit on garde le terme d'environnement, on met plus ou moins l'homme au centre, qui est un spectateur qui regarde la scène du monde, et il serait environné. Non. Moi, je pense plutôt, alors, en reprenant, en développant, alors, d'autres éléments que chez Winnicott, je pense plutôt, pour ma part, en termes d'entourage, quand il s'agit des entours humains, hein, c'est-à-dire que pour moi, ce qui est autour d'un enfant, d'un sujet, c'est son entourage humain. Jean Houry parlait beaucoup des entours, hein, donc il parlait des entours, de ce qui fait. Bon, le seul problème, c'est quand l'entour loupe, mais enfin bon, c'est autre chose, quoi. Et puis, moi, je raisonne plutôt, enfin, ou je parle plutôt, en termes de milieu et de paysage. Le milieu, c'est ce qui nous approprie à nous, ce qui nous constitue et qui n'est pas seulement un environnement, mais c'est le, par exemple, le bébé dans le ventre de sa mère, il est dans un milieu propre, qui est le sien, qui n'est pas seulement celui de sa mère. Et moi, j'aime beaucoup aussi parler du terme de paysage, d'ailleurs en écho à un propos de Jean Houry aussi, il disait, mais nous, Houry disait, nous sommes des êtres horizonnés. C'est-à-dire que nous vivons dans le déploiement d'un horizon. Et à l'heure actuelle, dans la dimension, dans la réflexion écologique, hein, on sent bien que l'enjeu, c'est pas seulement de penser en termes d'environnement, ça paraît un peu limité, mais c'est plutôt d'essayer de situer les éléments du monde en termes de milieu, hein, à partir de notamment des travaux de Von Uexküll ou d'un japonais dont j'ai oublié le nom. C'est ainsi que parle par exemple quelqu'un comme Augustin Berk, qui parle lui en termes de médian, c'est-à-dire que nous faisons partie d'un dispositif dans lequel nous sommes constitués et qui nous constitue. Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance. Après 9 mois d'efforts, entre ma mère et moi, voilà que je sors. Me lever dans ses bras, la chaleur de son corps, la douceur de sa voix, je suis bien, je m'endors sous les yeux de papa. Après l'incertitude, les quelques doutes, les changements d'habitude que prend cette nouvelle route, je fais le plein d'amour, d'énergie et de temps. Je mange chaque jour les joues de ma maman. Aimer, love, aimer, lover la vie, c'est aimer, love, aimer, lover dans tes bras. Aimer, love, aimer, lover la vie, c'est aimer, love, aimer, lover dans tes bras. Je marche maintenant, je l'avais dans les gènes, je comprends à présent
que j'avais de la veine d'avoir eu le temps, sans compter les jours, de vivre dans l'instant, sans le compte à rebours. Aimer, love, aimer, lover la vie, c'est aimer, love, aimer, lover dans tes bras, aimer, love, aimer, lover la vie, c'est aimer, love, aimer, lover dans tes bras. Nous voilà une famille, au minimum de trois, et on grossit la ville de ma petite voix. Peu importe le monde, peu importe les gens, je prendrai chaque seconde pour aimer mes parents. Cool, donner la vie c'est cool, et la vie c'est cool, restera cool si le monde sait.